Yo les gens, c'est BlackMurd HD. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo donc sur Black Ops 2, sur Nuketown 2025, dans le tout nouveau mode de jeu qui est sorti aujourd'hui, donc un drapeau CDD. Donc dans cette partie, enfin surtout dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du mode de jeu, voilà, comment ça se passe, tout ça. Je jouais à la M94, chargeur rapide cross, le B23R, gilet par mal détermination, pierre dextérité, le C4. En série de points, je jouais avec drone, drone de brouillage, micro station orbitale. Donc voilà un peu pour la présentation du gameplay. Donc j'étais sur Nuketown, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais parler un peu du mode de jeu. Donc je vais vous en parler, pardon, tout de suite. Donc un drapeau CDD, en gros, ça consiste en quoi? En fait, il y a un drapeau neutre en plein milieu de la map, tout ça. En fait, vous devez aller le prendre. De toute façon, voilà, vous devez aller le prendre. Et vous devez le ramener dans le camp ennemi. Donc ce qui est assez easy, enfin c'est pas easy, mais franchement moi on y arrivait bien avec mes potes. Et vous devez le ramener justement là, donc comme vous pouvez le voir, dans ce genre de rond jaune là, un genre de mini point stratégique. En fait vous devez le ramener là et voilà. Et en fait il y a deux manches, donc il y a deux manches, et une manche dure 5 minutes. Et pour la terminer en moins de 5 minutes, vous devez ramener en fait 3 drapeaux. 3 drapeaux tout simplement. Donc il y a 2 manches, en gros vous devez ramener 6 drapeaux en tout pour gagner la partie. Donc voilà un peu. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire aussi que ce mode de jeu, je trouvais qu'il était vraiment ressemblant à la capture de drapeaux et en même temps à la défense en équipe. Donc je sais pas si vous vous rappelez de la défense en équipe sur MW3. C'était vraiment... Enfin moi j'y ai pas vraiment beaucoup joué à ce mode de jeu là, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont joué. Et c'était vraiment un très bon mode de jeu. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce mode de jeu là, donc un drapeau CDD. Car bah il y a un drapeau comme je vous l'ai dit, et surtout il est neutre et il est en plein milieu de la map comme en défense en équipe. Sauf que là, en un drapeau CDD, vous devez le ramener dans un point spécial. Alors qu'en défense en équipe, vous deviez le garder pour avoir des points, tout simplement. Donc, toutes les secondes, vous gagnez un point, en fait. C'était ça, le truc. Et voilà. Donc, et c'est un mélange de CTF aussi, tout simplement, avec bah, le drapeau. Et les spawns aussi. Je trouve que les spawns, c'est ressemblant à la capture de drapeau. Et aussi, il y a un délai de réapparition de 5-10 secondes, je crois, entre 5 et 10 secondes, donc comme la CTF. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais parler aussi que on pouvait faire la nuque assez aisément, car voilà, on peut spawn kill, bah voilà, comme on veut. Hein. Si vous êtes en groupe, franchement, c'est assez assez facile. Après, voilà, faut pas spawn trap dur, même si dans cette partie, je trouve que j'ai un peu spawn trap dur. Mais excusez-moi pour ça, là au passage j'ai eu super chaud, j'étais tout rouge et là j'obtiens la nucléaire, pardon. Et là on passe tout de suite à la deuxième partie du gameplay, donc où j'ai tenté justement cette deuxième nucléaire. Donc vous verrez bien si je l'ai réussi, donc là j'ai pris le drapeau. Donc je précise que c'est une tentative double nucléaire en tenant le drapeau, donc c'est encore plus difficile je trouve que de le faire sans. Car les ennemis peuvent vous voir. Mais bon, là, ils pouvaient pas trop me voir vu que je jouais avec drone de brouillage, donc c'était assez... enfin, voilà, ils avaient le radar brouillé, donc c'était un peu plus facile. Donc voilà. Donc on peut faire des nucléaires assez aisément, comme je vous ai dit, vous vous mettez en groupe, voilà. Vous jouez en soutien, puis voilà, ça va tout seul. Donc voilà. Donc je vais tenter d'envoyer cette vidéo à 3 chaînes communautaires qui sont Code QG, Playgeek TV et Code CF. Donc je les remercie d'avance s'ils me plaudent, ça me ferait vraiment très plaisir, hein. Franchement. Ça me permettrait d'augmenter bah, mon nombre d'abonnés, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés, plus d'audience. Voilà, ça fait super plaisir. Donc je les remercie d'avance s'ils me plaudent. Et donc j'ai mis leur introduction de façon au début de cette vidéo. Donc j'ai fait tout comme ils avaient dit pour être pour avoir plus de chances d'être upload. Donc j'ai tout mis, les intros, les overlays, tout ça. Donc j'espère qu'ils vont accepter, même si en ayant mis toutes ces intros et en ayant fait pour moi une très très bonne partie. Donc je vais me présenter un peu pour les abonnés de Code QG, Code CF et Playgeek TV. Donc moi c'est BlackBird HD. En IRL, j'ai 15 ans, je m'appelle Charlie. J'ai 16 ans, pardon. Oh là là, à chaque fois, je me gourre. J'ai 16 ans, donc Charlie, voilà, BlackBird HD.
Je fais des vidéos sur Call of Duty depuis 5 mois. Et j'upload régulièrement des vidéos. Donc pendant les vacances, j'upload une vidéo tous les jours. Et pendant la semaine, donc pendant les cours, j'upload une vidéo tous les 2-3 jours à peu près. Donc je trouve que c'est assez correct, on va dire. Donc qu'est-ce que j'upload sur ma vidéo, sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne, j'upload diverses vidéos. Donc des carnages sur les anciens Call of Duty. Donc World at War, Code 4, Black Ops 2. Enfin Black Ops 2, c'est pas vraiment ancien, mais bon. Black Ops 1, MW3, voilà. Enfin tous les anciens Call of avant Black Ops 2. Je propose des putes sans kill et des nucléaires sur Black Ops 2. Aussi, il y a plein de choses qui vont venir sur ma chaîne après Black Ops 2, donc après, enfin au moment où il y aura Ghost, quoi. Donc bien sûr, il y aura des vidéos sur Ghost. Ça c'est normal. Vu que ma chaîne est un peu basée sur Call of Duty, donc je proposerai des gros gameplays sur Ghost. À venir aussi, il y aura des let's play pardon sur Need for Speed par exemple, Titanfall, voilà, plein de jeux comme ça. Franchement, je pense que si vous aimez un peu les jeux de voiture, tout ça, les jeux de guerre, FPS, tout ça, franchement, vous allez vraiment être servi avec ma chaîne. Je fais un peu de tout ça, donc voilà. Voilà pour la présentation un peu de ma chaîne. Aussi, je suis joueur de Call of Duty depuis 3 ans, mais bon, je pense pas que ça intéresse beaucoup de gens. Donc voilà. Donc là, au passage, j'ai obtenu ma deuxième nucléaire. Donc c'est une double nucléaire en un CDD, un drapeau CDD, pardon. Je finis sur un score de 96-3 avec un score de 21 120. Donc je trouve que c'est un énorme score. Et moi, je vous dis à la prochaine. Encore merci aux trois chaînes communautaires si elles m'uploadent. Ciao, bye bye. C'était Blackbird HD.